Bonjour à tous, petits et grands lecteurs. Nous sommes heureux, avec Kiki, de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire. Hein, Kiki? Allez, Kiki, tu connais le rituel. On s'assoit. Vous avez vu, Kiki, il a mis un joli nœud papillon ce soir. On s'assoit confortablement. On ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux. Et surtout, chut, tu te tais et tu écoutes l'histoire. Vous aussi à la maison, petits et grands, écoutez l'histoire. Ouvrez grand vos oreilles, grand vos yeux. À tous, bonne lecture. Ce soir, nous avons choisi de voir conter l'histoire de Pop joue au foot. Écrit par Binsiki Sanders. Pop adore jouer au foot avec ses amis. Titi le Ouistiti, Boubou l'éléphant, Gigi la girafe, ou Zozo l'oiseau et Zazou la panthère. Passe-moi le ballon, Pop! Fais-moi une passe, Pop! Pop envoie le ballon à Boubou, qui tape très fort dedans. Tu shootes trop fort, Boubou! Et voilà que le ballon de Pop rebondit et roule jusqu'au pied de Croco-Patte. Oh, le beau ballon de foot! Il est à moi! Non! Il est à nous! Ça m'étonnerait. Vous ne savez même pas jouer au foot. Si, on sait jouer. Et toi, tu ne peux même pas jouer au foot? Tu es tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai une super équipe. On fait un match? Vous voulez jouer contre nous? Ha 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 ha! Ok, Croco-Patte, faisons un match. Mais après, tu nous rends le ballon. Le ballon, il est à moi. Mais si vous gagnez le match, je vous le donne. Rendez-vous au stade. Qu'on gagne ou qu'on perde, le ballon est à nous, Croco-Patte. Mais on va gagner contre toi et ton équipe. Ha ha ha! Ça m'étonnerait beaucoup, mon petit Pop. Ha ha ha! On va vous marquer plein de buts. C'est nous les plus forts! Le match commence et tout de suite Croco-Patte s'empare du ballon et court à toute vitesse vers le but de l'équipe de Pop. Passe Croco-Patte! Arrête de me pousser Tigrus! Ha ha ha! Faute sur Pop! Mais Croco-Patte rate complètement le but. C'est Titi qui récupère le ballon. Il dégage la main vers Boubou, qui fait la passe à Gigi, qui renvoie à Zozo, qui dévie le ballon vers Zouzou et qui dribble Digrus et passe à Pop, qui fait une superbe tête.
directement dans la lucarne du but de l'équipe de Crocopat. Et but ! Et 1-0 pour nous ! Et le match continue. Pop est en pleine forme. Il marque un deuxième but, puis un troisième. But, 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 but! C'est l'équipe de Pop qui gagne le match. On rejoue demain? Tiens, Pop, voilà le ballon. Trop fort, Pop. C'est toi le meilleur, Pop. Et voilà, petits et grands, j'espère que cette histoire vous a plu. Kiki, elle t'a plu? Oui, beaucoup, il me répond. Alors, à demain, chers lecteurs. Je vous embrasse.